Ce que je vais essayer de développer, c'est essentiellement deux points. Un point qui est entièrement sur le sujet directement, puisque c'est à la fois que peut-on dire des prochaines années, disons d'un futur relativement proche en termes de population mondiale et de population de certains pays. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Donc que valent les projections de population? Ça sera plus rapide, mais je pourrais beaucoup développer ce thème ensuite. Et puis dans un second temps, je pencherai, parce que traditionnellement depuis Malthus, démographie, c'est l'opposition population et subsistance. J'essaierai de vous montrer comment la question démographique et la question des subsistances ne sont pas en opposition directe, mais sont articulées par un certain nombre de médiations, de programmes. D'abord, j'ai mis démographie mondiale, donc je vais vous montrer ce qu'on dit d'habitude, mais il y a déjà des questions de présentation, vous allez le voir. Et aussi, même c'est assez curieux finalement de penser la population du monde est un concept ou un terme tout à fait curieux d'une certaine manière, parce que personne ne l'a jamais vu, personne n'a prise sur elle. C'est la population d'un pays encore, il y a des politiques démographiques, il y a des comptages de ces populations, mais la population mondiale, c'est un terme très abstrait. Un philosophe, Alfred North Whitehead, aurait dit que c'est un terme pseudo-réel, quelque chose qu'on ne peut ni appréhender par les sens, ni sur lequel on ne peut pas véritablement agir. Alors je vais quand même vous montrer ce qu'on en dit, parce que très souvent vous entendez des 7 milliards, des 11 milliards, et ainsi de suite. Voilà à peu près ce qui se passe entre 2015 et 2050. Alors les Nations Unies font des prévisions de population, qu'elles appellent projections, et elles ont plusieurs esquisses. Voilà, vous voyez, on peut presque une esquisse assez récente. Et très souvent, les chiffres que vous lisez sont les chiffres de l'esquisse moyenne. Donc, on irait vers 10 millions en 2050, mais maintenant, on voit 10 milliards. Ça commence mal. Et puis, vous voyez que ça va jusqu'en 2100 maintenant. J'aurai peut-être l'occasion de montrer d'ailleurs pourquoi. Parce que c'est quand même très loin de prévoir ce qu'il y a jusqu'en 2100. Peut-être que c'est d'ailleurs par référence aussi aux questions climatiques qu'on prévoit toujours jusqu'en 2100. Juste pour vous, là c'est vraiment un défrichage pour commencer. Juste pour montrer quand même une chose aussi qui a très souvent été indiqué, c'est que autant les États-Unis, l'Union européenne vont avoir une population qui ne bougera pas beaucoup, les États-Unis augmenteront, mais c'est pas non plus une population très élevée. Les BRIC, vous voyez, vont se stabiliser, et c'est l'Afrique subsaharienne qui est l'objet de toutes les spéculations, avec plus de 2 milliards arrivés en 2050, donc je m'arrêterai un peu plus sur cette question. Là, c'est déjà pour revenir un peu sur tous ces chiffres d'une autre manière. Je vous ai mis ici, d'habitude vous voyez toujours l'évolution de la population, donc les milliards s'accumulent, mais là j'ai mis le taux de croissance de la population mondiale. C'est les mêmes données, il n'y a aucun... C'est juste un changement de présentation. C'est la comparaison de 5 ans en 5 ans de l'augmentation... de la population, donc c'est son taux de croissance. Et vous voyez que le taux de croissance a quand même beaucoup diminué. Il a culminé vers 1960, un peu avant 1970, à 2,1% par an, ce qui est quand même un doublement en un tout petit peu plus de 30 ans. Et là, je n'ai pas mis les tout derniers chiffres, mais on est maintenant tout près de 1%. J'ai fait une petite... comme on est dans un repère d'économètre, j'ai fait une petite régression linéaire sur ça, c'est quand même pas bien compliqué, mais juste pour vous montrer qu'après tout, si sa tendance se poursuit vers 2060, un peu après 2060, le taux de croissance deviendrait nul, donc la population commencerait mondiale à diminuer. Vous voyez que c'est une présentation, c'est les mêmes chiffres, mais ça ne donne pas du tout la même impression. D'un côté, je vous ai mis sur
la gauche, l'évolution de la population telle qu'on la montre, mondiale, telle qu'on la montre habituellement, donc cette croissance qui s'infléchit un peu, mais qui continue, et puis de l'autre côté, l'évolution toute bête du taux de croissance. Donc on est sans doute en train de passer à un tassement de la croissance démographique et on peut penser que la stabilisation est quand même en vue, mais ben, ça ne sera pas encore très rapide si c'est 2060. Du coup, la question n'est plus tellement de, au fond, comme on a souvent dit, de bombes à retardement, mais c'est la question, c'est plutôt de plusieurs bombes à retardement, parce que ce qui est vrai pour l'ensemble du monde n'est bien sûr pas vrai pour certaines zones, mais finalement, je les ai appelés des hotspots, puisque c'est le mot à la mode maintenant, et il y a, en fait, quand on regarde bien, il y a seulement deux hotspots de la fécondité, donc ce qui conditionne la croissance démographique, maintenant que presque partout la mortalité infantile est passée à des valeurs qui sont au plus de l'ordre de 10%. C'est énorme, 10%, mais ça ne joue plus sur la croissance de la population. C'était il y a un peu plus de 50 ans, dans certains pays, la mortalité infantile était de 30%, puis la mortalité juvénile suivait. Donc le résultat en termes de fécondité, si vous aviez 6 enfants, il en restait 3 arrivés à l'âge de 20 ans. Maintenant, si vous avez 6 enfants, ben, il en manque 10%, ou mettons 15%, vous en avez encore, en termes moyens, 25,5, oui, en moyenne. Et donc, c'est les quelques pays, il y a très peu de zones où la fécondité est très forte. Voilà une carte que j'ai prise d'ailleurs aux Nations Unies. Qui vous montre les niveaux de fécondité dans le monde. Et dès qu'on arrive dans les zones en bleu, on tombe au-dessous, c'est peut-être un peu difficile à lire, mais je vais vous le dire, dès qu'on est dans le bleu clair, on est dans les deux, entre 2 et 3 enfants en moyenne comme fécondité, et puis dans les bleus très clairs, dans les bleus foncés, on passe à le bleu moyen, c'est entre 2 et 2,25, puis 75 à 2. Il faut voir que maintenant, dans la majorité des pays du monde, la fécondité est au-dessous ou au voisinage de 2 enfants. Donc, à terme, il n'y aura plus de croissance. Et vous voyez qu'il y a en fait 2 zones dans lesquelles où la fécondité est forte, qui sont, dans une mesure moindre, une partie de l'Asie, l'Asie centrale, puis de la zone Pakistan-Afghanistan, et puis surtout la zone africaine. Et dans la zone africaine, vous regarderez, c'est en fait la zone intertropicale, c'est même pas toute l'Afrique. La fécondité est devenue faible en Afrique du Sud, elle est en train de devenir faible, elle est sans doute autour de 2,3-2,4 enfants au Maghreb. La Libye, ça je ne sais pas qui est capable de la mesurer. La question de la démographie mondiale, cette question IA, est posée par cette zone. Alors il y a eu beaucoup de gloses, il y a un livre que j'ai trouvé assez déplaisant de Stephen Smith qui vient de paraître, rien que le titre, c'est « La ruée vers l'Europe ». Vous voyez, et tout ça pour indiquer que ces Africains qui vont être très nombreux vont se précipiter chez nous, en Europe. Alors, pour répondre à des questions, il y a quelques points qui ne sont pas inintéressants dans le livre, mais globalement, c'est un livre qui est dans la lignée de beaucoup d'autres travaux qui poussent à une certaine panique. Alors, quand on regarde un petit peu d'une autre façon, là je vous ai mis cette partie de l'Afrique intertropicale, quelle est la part dans la croissance démographique? Actuellement, c'est ce qui est en rouge, c'est un quart de la croissance démographique mondiale. Dans les projections des Nations Unies en 2050, ça sera les trois quarts, ça vous donne bien la mesure du problème. C'est là que se situera l'essentiel, trois quarts de la croissance démographique. Donc c'est là aussi qu'il faut se poser des questions sur les conséquences de cette croissance, beaucoup plus que dans des autres zones ou d'autres régions où ça sera stabilisé. Il y a des questions de densité, j'ai mis cette carte-là pour montrer que il faut en fait, quand on regarde cette Afrique intertropicale, il y a, disons, trois grandes zones. Il y a une zone que vous voyez en jaune qui est la zone sahélienne. Bien sûr, il y a très peu de densité parce que c'est majoritairement désertique. Puis une zone qui est celle du golfe de Guinée où
Et aussi une autre zone qui est celle de, cette fois-ci, de l'Afrique équatoriale avec la République démocratique du Congo. Qui est, et ces trois zones ont des fortes fécondités, surtout la première et la troisième, c'est-à-dire surtout le Sahel et surtout l'Afrique équatoriale. Mais la problématique n'est pas du tout la même. Dans le Sahel, la limite des subsistances, les possibilités de nourrir la population, les possibilités de développement sont quand même réduites, faibles, problématiques, alors que la République démocratique du Congo, c'est quand même près de, c'est deux fois et demi la France comme surface, c'est riche, c'est 80 millions d'habitants. Et à côté des pays comme le Gabon, comme la République Congo-Brazzaville ou bien la République centrafricaine sont quand même très faiblement peuplés. On a des densités qui, vous voyez, sont inférieures à 10 habitants par kilomètre carré. Donc ce n'est pas la même problématique. Et si on regarde ce qui est prévu, la prévision moyenne des Nations Unies pour les populations, j'ai pris ici donc le Sahel, qui me paraît être la partie la plus problématique. Vous voyez que actuellement, l'ensemble du Sahel, c'est 70 millions d'habitants. Enfin, c'est en 2010, c'est déjà un peu plus, mais c'est de cet ordre-là. Et la prévision des Nations Unies en 2050, c'est 220 millions d'habitants. Et quand vous regardez un pays comme le Niger, c'était 16 millions en 2010, ça sera pratiquement 70 millions, ça sera plus que l'Allemagne en 2050, toujours dans les prévisions. Je discuterai ce point-là après, mais il y a quand même là-dedans une disproportion qui est très grande. J'ai du mal à voir comment 70 millions d'habitants pourront vivre au Niger. Voilà une petite courbe qui vous montre au début, en 1950, le Niger n'avait pratiquement pas d'habitants. C'était un peu moins de 2 millions. Et maintenant, il va atteindre bientôt 20 millions. Et puis, vous voyez, ça part. Alors, je ne vous parle pas de 2100, mais là, c'est quand même tirer des plans sur la comète. Donc, c'est dans cette région-là que les problèmes vont se poser. Et je trouve que 70 millions d'habitants pour plus de 7 milliards, c'est pas grand-chose. C'est 1% de la population mondiale. Donc, quelque part, une action peut être entreprise, parce qu'on sait à peu près maintenant quels sont les déterminants de la forte fécondité. Il y a eu quand même beaucoup de travaux d'anthropologues ou de démographes ou d'économistes, et on sait que c'est dès que les jeunes filles sont passées par le lycée, ont eu un début d'éducation secondaire, dans tous les pays où on a fait des mesures, la fécondité diminue et devient comprise entre 2 et 3 enfants en moyenne. Et l'autre aspect, bien sûr, c'est l'aspect patriarcat, pour le dire de façon douce, c'est-à-dire la possibilité pour les femmes de pouvoir décider de leur fécondité, puisque pendant longtemps, on a fait notamment l'enquête mondiale de fécondité, c'était, on interrogeait le chef de famille sur les désirs d'enfants notamment, et donc les réponses étaient élevées. Et quand même, dans la fin des années 90, on s'est décidé à interroger les femmes, et là, les réponses ont été beaucoup plus faibles. Donc c'est aussi pour ça que, avec des périphrases douces, mais les Nations Unies et surtout la dernière conférence mondiale de population s'est orientée vers l'idée de santé maternelle, qui recouvrait cette l'idée de c'est aux femmes de décider de leur progéniture, de la taille de leur famille. Donc, est-ce que c'est très. Second point est plus compliqué, puisque. Mais le premier point de donner une éducation, je pense que ça ne m'apparaît pas, pour 1% de la population mondiale, quelque chose de terriblement difficile en termes de coûts économiques ou même en termes de fonds personnels qui seraient. Formé ou détaché pour cela. Sinon, vous le voyez, ça sera des chiffres quand même qui sont tout à fait impressionnants. Alors, c'était la seconde partie de là. Là, je vous ai montré tel que les Nations Unies le font. Pourquoi les Nations Unies d'ailleurs? Parce que il y a
une section des Nations Unies qui s'appelle la division de la population, comme dans l'armée. Et dans cette division de la population, il y a à peu près une cinquantaine de démographes et de chercheurs, et ils rassemblent les prévisions qui sont faites dans le monde entier, puis ils cherchent à les mettre en discussion avec les instituts statistiques, à les mettre à peu près en cohérence les unes avec les autres. Et donc il y a des négociations, et c'est dans le cas d'un pays comme la France, ils reprennent pratiquement les projections de l'INSEE. Dans le cas de pays qui ont des statistiques plus fragiles, par exemple le Nigeria, là la discussion va plus loin, puis ils proposent eux-mêmes des esquisses. Leur problème, comme toujours aux Nations Unies, c'est que chaque pays est traité de la même manière. Donc vous avez les données sur les populations par âge, par tous les 5 ans, les taux de fécondité, les espérances de vie. Les tableaux sont exactement les mêmes, au chiffre près, pour la France et par exemple pour l'Afghanistan. Et donc ils le remplissent. Un jour, je parlais avec le responsable, qui était un japonais, M. Kono. Donc je lui ai demandé comment ils faisaient pour l'Afghanistan, et il a juste dit, chacun a ses secrets. Ceci dit, il faisait ses secrets ne devaient pas être trop dangereux ni trop mauvais. Alors là, je vous ai mis c'est des graphiques où j'avais fait ça pour un certain nombre de pays. J'ai repris, les Nations Unies font des prévisions de ce genre-là depuis 1963. Et j'ai mis donc à chaque fois la date, vous voyez, et alors là, mettons celle de 1763, elle commence à peu près en 1963, et puis j'ai mis une ligne jusqu'où elle va, vous voyez, celle de 68. Alors au début, vous voyez que les lignes ne vont pas très loin, les prévisions étaient prudentes, c'était à 20 ans, 25 ans, et puis on s'est enhardi à partir des années 1990, on est allé, vous voyez, jusqu'en 2025, et puis jusqu'en 2050, en 2004 et 1994. Et si je vous ai mis 1994 et 2004, c'est pour l'Iran. En 1994, vous voyez que la prévision donnait, la projection des Nations Unies donnait 175 millions d'Iraniens en 2050. Et 10 ans plus tard, on était passé à 100 millions, et 16 ans plus tard, là, on est à 85 millions. Donc, entre 1994 et 2010, et l'Iran a des bonnes statistiques. On est passé presque du simple au double comme prévision pour 2050. Donc, c'est quand même, tout ceci est assez fragile. Alors, l'explication est, à la fois l'explication de l'échec est simple, mais ce qui est plus compliqué, c'est pourquoi on n'a pas pu éviter cet échec. L'explication simple, c'est que jusqu'en 1985, en Iran, du temps du Shah comme du temps de Khomeini au début, la fécondité est de 6,5. Et puis en 1985, la fécondité commence à baisser assez rapidement, et 20 ans après, en 2005, elle est de 2 enfants. Alors, autrement dit, en l'espace de... l'Iran, en l'espace de 20 ans, a fait ce que la France a mis plus de 2 siècles à effectuer comme baisse de fécondité. Donc, ces baisses peuvent être très rapides. Quelle explication donner? Il y a beaucoup de disputes. Il n'y a pas vraiment d'explication, de la même manière que, encore maintenant, on n'a pas une explication véritable pour le baby-boom. Vous savez que les premières traces de baby-boom, c'est vers 1937-38. La fécondité commence à monter au moment de Munich. C'est quand même pas... quand j'entends dire la fécondité, c'est le signe d'optimisme. Ça peut être l'inverse aussi. Et donc là, pour l'Iran, on ne sait pas, mais vous voyez que ce que je vous ai dit sur le Niger ou sur l'Afrique intertropicale peut aussi... être remis en cause assez rapidement. Bien sûr, l'Iran était un pays qui avait plus de ressources étatiques que les pays du Sahel, mais personne n'avait prévu, parce qu'en 1915, jusque dans les années 90, la théorie, c'était les pays islamiques font beaucoup d'enfants. La fécondité ne peut pas baisser dans les pays musulmans. Mais là, l'Iran a exactement prouvé le contraire. Vous me direz, c'est l'Iran, c'est un pays musulman, etc. Qu'en est-il de la France ? Vous voyez qu'en France, c'est un peu la même chose. J'ai mis ici les prévisions successives, telles qu'elles avaient été négociées avec l'INSEE, et dans certains cas, c'est des prévisions même de l'INSEE. Vous voyez que
Au début, c'est une sorte de grand enthousiasme, c'est le baby-boom. Alors, il se poursuit, même si déjà, il y avait une baisse de fécondité à partir de 1965. On pensait que ça serait temporaire. Et puis, on s'aperçoit vers 1990, que vraiment, c'est du sérieux. Et là, on bascule dans le pessimisme. Donc, ça a donné lieu à cette époque à un retour d'une spécialité française qui s'appelle le natalisme. Et puis, 94, même chose. Et puis, quand même, la fécondité remonte à partir de à peu près 1995. Alors donc, un petit sursaut en 2004. Et puis, vous savez qu'on a maintenant revenu, sauf les trois dernières années, à deux enfants en moyenne. Donc, la prévision de 2010 est tout à fait positive, dans ce point de vue des chiffres, puisqu'elle est de l'ordre de, on est à peu près à 73 millions. Donc, vous voyez qu'à nouveau, entre 1994 et 2010, pour un pays comme la France, la projection est passée de 61 millions à 73 millions. Ça fait 12 sur 61, c'est 20% d'écart. Donc mon sentiment général, après ce peu de choses que je vous ai montrées, je pourrais en montrer d'autres, c'est qu'il vaut mieux être prudent avec les prévisions, les projections démographiques à long terme, qu'elles reflètent plutôt notre façon de voir la population actuelle, compris nos préjugés, que ce qui se produira réellement. Donc ça m'amène à tempérer ce que je vous ai dit au début concernant l'Afrique. Enfin, c'est un autre petit exemple, j'en ai beaucoup, mais il est quand même assez instructif. C'est quand l'INSEE a été créé en fin 45, en 1946, un de ses premiers travaux a été de faire des prévisions de population. Et comme justement les prévisions précédentes n'avaient pas très bien fonctionné, les esquisses ont été multipliées. Et donc vous voyez que là, c'est un fascicule de l'INSEE, il y a eu 11 variantes. Je vous ai mis les 11 variantes. Et le gros trait au-dessus, c'est la réalité. C'est ce qui s'est produit. Donc, quand on était en 46, personne n'avait idée qu'il y avait un baby-boom. On pensait que c'était ce que les démographes appellent une récupération, c'est-à-dire les hommes ayant été absents du fait du STO, du fait de la guerre, reviennent, et à ce moment-là, les enfants qu'ils n'ont pas pu faire durant les hostilités, mais faux, on avait eu la même chose en 1919 et 1920. Donc c'était très difficile de savoir ce qui se produisait réellement, et l'INSEE, là on est en 1946, l'INSEE ne pouvait vraiment pas trancher. Or, ça faisait depuis longtemps que la fécondité en France était faible, dès la fin du milieu-fin du 19e siècle. Donc ils ont poursuivi sur cette idée, ils ont quand même, vous voyez, mis toutes ces variantes, mais les variantes, beaucoup d'entre elles, ils n'avaient pas non plus prévu que la mortalité baisserait beaucoup, parce que, or, sont arrivés les antibiotiques, et puis il faut tout le progrès. Ils n'avaient surtout pas prévu qu'il y aurait des migrations, or les migrations se sont développées, mais c'est très difficile, on ne peut pas demander aux statisticiens et aux démographes de faire des prévisions sur tous les domaines de la société et de la politique. Alors c'est juste ici pour montrer, c'est une question que je me suis posée avec deux possibilités, mais c'est quelque chose qui m'a frappé en regardant les taux de fécondité actuels dans le monde. J'ai regardé quels étaient les taux, les plus fortes fécondités en Afrique. Donc, je vous avais signalé le Niger, puis sur la carte vous avez vu. Ensuite, vous avez la Somalie, 2, le Mali, 6, la République démocratique du Congo, 5,9, le Tchad, 5,8, le Burundi, 5,6. Si vous regardez, c'est quand même pratiquement l'ensemble des pays où des troubles politiques se produisent. Et du coup, je me suis dit, mais qu'en est-il en Asie ? Et en Asie, voilà l'ordre des fécondités. La plus forte fécondité, c'est en Afghanistan, 5,3. Ensuite, c'est Irak. Ensuite, c'est Yémen. Ensuite, Palestine. Et ensuite, Pakistan. C'est quand même troublant. C'est, dans les deux cas, c'est les pays où il y a des conflits internationaux, ou surtout des guerres civiles terribles. Donc, quel est le lien ? Dans le lien traditionnel, c'était le... C'était à l'origine même de la polémologie, la science des guerres, de M. Gaston Boutoul,
C'est parce que la surpopulation entraînait l'agressivité. Et donc, c'est dans des pays surpeuplés que les guerres se développaient. On peut aussi tenir le point de vue inverse en disant que c'est dans les pays qui sont en état de guerre civile que les possibilités de contrôle de la fécondité sont absentes pour des tas de raisons, y compris la disponibilité de produits contraceptifs. Mais je pense que la première raison est à considérer aussi, mais peut-être pas dans l'esprit de... dans la théorie de l'agressivité à la Gaston Boutoul, c'est plutôt que dans des pays où ça fait plus de deux générations maintenant, grossièrement, où il y a des fécondités de 5,3 enfants, ou de 7 ou de 6, ça fait en deux générations, ça fait pratiquement, étant donné la faible mortalité infantile dont j'ai parlé, ça vous fait pratiquement 30 descendants pour un couple. Et je pense que là, les règles, il y a quand même, dans tous les pays, il y a des règles d'héritage, il y a des règles de succession. C'est très difficile de les gérer, je pense. C'est donc quelque part générateur de conflits. Alors, la thèse, je ne partage pas la thèse de Stephen, j'ai déjà oublié son nom, celui qui a fait le livre sur la ruée vers l'Europe. Stephen Smith, voilà. Selon lequel c'est parce que les jeunes sont... C'est la guerre des âges, c'est-à-dire les jeunes étant très nombreux par rapport aux plus âgés. Et dans les pays, alors il y a une vision traditionnelle de l'Afrique, c'est des pays où c'est les personnes âgées qui ont le pouvoir et qui dominent la société, donc il y a une inversion, je ne pense pas que ça soit ça, mais quand même, je pense plutôt que c'est des mécanismes de transmission d'une génération à la suivante qui sont faussés. Donc, quelque part, c'est peut-être une justification de plus d'une action d'aide à ces pays pour les aider à ce que leur forte fécondité diminue. Alors, je vais passer au second point, qui est, est-ce qu'il y a cette population, même si vous l'avez vu, sa croissance est actuellement freinée, est-ce qu'il y a assez de nourriture pour elle? C'est un conflit absolument traditionnel qui a été inauguré par Malthus. Alors, très souvent, on oppose Malthus et une très grande économiste et agronome danoise, Esther Bosrup, parce que pour Malthus, c'est la population est contrariée ou est limité par les subsistances. Et pour Bosrup, c'est la thèse inverse, c'est que quand il y a une pression démographique, c'est une pression pour le progrès et on invente de nouveaux modes de culture qui sont des modes plus productifs. Si vous avez l'occasion, le livre de Bosrup, le livre de Malthus est très connu, il est souvent mal interprété, c'est-à-dire Malthus n'a jamais dit qu'il fallait limiter la population. Malthus, c'est... estime que la population est, et même c'est d'ailleurs un ressort de son livre, est destinée à croître. Tout le monde a appris à l'école les deux progressions. Il y a la progression géométrique à toute vitesse des subsistances et puis la progression arithmétique de la population. Mais c'est une progression, ce n'est pas du tout une limite. Et il y a un côté d'ailleurs qu'on peut appeler eschatologique chez Malthus. C'est un pasteur d'ailleurs, c'est un esprit religieux. Et pour lui, dans une tradition qui est beaucoup plus ancienne que lui, dont je pourrais aussi parler, quelque part, quand la Terre sera entièrement peuplée, comme il est dit dans les Écritures, la fin du monde arrivera. Donc il est encore dans cette vision que la Terre un jour doit être entièrement peuplée. Mais ça se fait dans le malheur, parce que sans arrêt, il y a une pression des subsistances qui limite la croissance de la population. Et Bosrup, elle, a eu la théorie inverse, avec l'argument suivant, c'est que quand la population s'accroît, les modes de culture changent. Par exemple, au lieu de la jachère longue, on va passer à de la jachère courte, puis des cultures qui seront avec seulement biennales, puis triennales, puis des cultures permanentes, puis des cultures irriguées, mais qu'à chaque fois, on va être obligé de travailler plus. Donc il y a un côté qui est, quand on est au début, les cultures longues sur brûlis,
Alors, Esther Bosrut donne de vagues estimations, mais c'est de l'ordre de 2 heures de travail par jour. Puis si on monte avec les jachères courtes, il faut quand même désherber, donc c'est déjà 4 heures. Puis on monte avec les cultures d'assolement, c'est 6-7 heures. Et puis on arrive, alors elle prend l'exemple d'études sur la Chine, dans les années 30, où là, avec l'irrigation, il faut entretenir les canaux, et donc on arrive à de l'ordre de 12 heures de travail par jour. Donc certes, il y a un progrès de la productivité, c'est-à-dire chaque hectare produit beaucoup plus, mais en termes d'heures de travail, il n'y a pas vraiment de progrès. Donc c'est deux choses à considérer de façon assez précise. Alors, cette façon de voir, je pense, et ce que je vais essayer de vous montrer pour terminer cette intervention, cette façon de voir, et à mon avis, il faut voir non pas une flèche dans un sens et une flèche dans l'autre, mais qu'il y a un système au milieu actuellement, et qui est nettement plus compliqué. Je m'en suis rendu compte en regardant, en prenant les annuaires de la FAO, et puis en comptant combien, alors j'ai compté, j'ai ramené à l'échelle de la Terre entière les calculs à par homme et par jour, par humain et par jour, et j'ai regardé, alors la consommation elle est à peu près connue, mais plutôt par des données de type médical ou de type anthropologique, qui est à peu près de 2800 kilocalories, et puis la production, alors là on a des chiffres qui sont assez sûrs sur la production. Et vous voyez que si vous prenez en termes de calories, vous avez 5500 calories qui sont produites et que vous n'en avez que 2800 de consommées. Donc, c'est seulement la moitié qui est consommée. Donc la question, c'est où est passée la différence? Et pour voir où est passée cette différence, ben, vous avez une première chose, c'est que... une partie, c'est des pertes, c'est notamment très bien montré dans un livre récent de l'ancienne directrice de l'INRA, Marion Guillou, qui a beaucoup insisté sur ce qui est ce qu'on appelle le gaspillage. Vous voyez que j'ai indiqué donc une partie des céréales, alors gaspillées de différentes manières, gaspillées parce que non consommées, parce que perdues, parce que à cause de... consommés par des rongeurs ou des insectes mal récoltés, et même chose pour les autres végétaux. Vous voyez que là, c'est des pertes importantes, mais c'est pas suffisant. Si vous regardez les céréales, vous voyez que sur les 3000 produits, 450 sont perdus, mais en même temps 1300 seulement arrivent dans nos assiettes sous forme de céréales. C'est parce que il y a le détour qui est quand même le plus important, c'est la nourriture des animaux. La question redevient urgente ces jours-ci avec toute l'affaire du soja chinois, si vous avez suivi ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. La Chine est devenue un acheteur de soja, pas simplement aux États-Unis, elle est en train de... la pampa argentine est devenue un gigantesque champ de soja à destination des animaux chinois. Et vous voyez que la nourriture des animaux accapare, quand on travaille sur les chiffres de la FAO, à peu près, en termes de par homme et par jour, ça correspond à 1650 kilocalories, ce qui est quand même presque du même ordre que les 2800 consommés. Alors, vous direz, ben, c'est pas grave, parce que ces 1650 qui sont mangés par les poules, les veaux, les cochons, on va les manger sous forme de jambon, de beefsteak et de blanc de poulet, mais comme vous le savez, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une perte en ligne qui est très importante, ce qu'on appelle la loi des chaînes écologiques, que pour une calorie de viande de bœuf, il faut lui donner 10 calories de végétaux. Pour les porcs, c'est à peu près 7, pour les poulets, les canards et les volailles, c'est entre 4 et 5. C'est des chiffres qui sont, ça dépend, c'est des ordres de grandeur. Simplement, ces ordres de grandeur font que vous voyez, sur les 1650, au mieux, alors il y a une petite partie, je ne sais pas, il y a une, au mieux, vous voyez, sur ces 1650, 300 sont récupérés, qui vont être des produits animaux, et qui vont donc aboutir... dans la nourriture humaine. Donc vous avez là, alors
Vous aimez aussi, il y a bien sûr une partie quand même des animaux qui sont nourris par les espaces naturels, les prairies par exemple. Et puis il y a un petit peu aussi de produits de la mer. Mais les deux gros éléments sont les pertes et puis surtout, les pertes, vous voyez, c'est 1050 et puis surtout la nourriture des animaux, c'est 1650. Alors, je ne suis pas en train de prêcher pour le vegan. On va voir que on peut en tirer quelques conclusions, mais simplement, je suis pour tenter de démêler cet écheveau. Et du coup, comme les consommations, il y a une très grande variété dans les consommations des pays, c'est des données qui sont un tout petit peu anciennes, mais qui n'ont pas énormément bougé. Des pays comme le Bangladesh ou le Nigeria ne consomment pratiquement pas de calories animales, vous voyez. Et puis, la France est un des pays en tête. Je me souviens bien, le Danemark est avant nous, puis bien sûr le Groenland, mais là, les pauvres, c'est difficile pour eux de faire pousser de la nourriture. Alors, ce n'est pas parce qu'on est mangeur de viande, mais c'est parce que c'est tous les produits qui proviennent des animaux, donc c'est le beurre, le fromage, les œufs, etc. Et si on regarde, j'ai essayé de regarder combien on pourrait nourrir d'habitants selon différents modes de répartition des calories végétales et des calories animales. Si vous prenez un premier cas où on ne donne aucune calorie végétale pour les animaux. Alors il reste seulement les animaux qui sont nourris sur les prairies naturelles, qui sont nourris avec des déchets. Et du coup, le pourcent de calories animales devient très faible, et on peut nourrir à ce moment-là, avec actuellement 10 milliards d'habitants. Si toute la production végétale allait aux animaux, vous voyez que ça serait 2 milliards seulement. La situation actuelle, c'était à l'époque, c'était il y a 2 ans, 7 milliards. Et si c'est tous comme la France, c'est 4 milliards seulement. Donc, ce qui est, au fond, derrière cette question de nourriture face à la population, c'est une question beaucoup plus de structure, au fond, du système l'alimentation, du mode de consommation, des styles de nourriture qui comptent que la production végétale brute. Alors, la perspective de ce point de vue n'est pas très encourageante. Là, je lis quelques graphiques et on voit que forcément, les pays, pas forcément, mais c'est comme ça, les pays en développement, ou même les pays déjà assez développés, comme le Brésil ou la Chine, ont une consommation croissante rapidement de calories animales. Les Chinois sont maintenant pratiquement à 20%, donc à peu près la moitié de ce que nous consommons, nous, actuellement. Et quelque part, les Chinois ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi ils arrêteraient de consommer de la viande, ou ils ne rejoindraient pas notre niveau de consommation, donc la pression là-dessus risque d'être très forte. Donc vous voyez, d'une certaine manière, il faut, par rapport au graphique que je vous ai montré au début, il faut mettre entre population et subsistance ce système de production et de style d'alimentation. C'est sur lui qu'il faut discuter, ne pas voir comme voir simplement globalement les subsistances opposées à la population. Je vais terminer par une toute petite chose, c'est une question qui a été posée récemment. Est-ce qu'on pouvait définir, vous savez qu'il y a eu une déclaration de 14 000 scientifiques, quelque chose comme ça, mais c'était essentiellement des biologistes, elle avait été publiée dans Le Monde, et il y avait 14 conditions à respecter pour éviter la catastrophe planétaire. Et parmi elles, il y avait définir scientifiquement la population que la Terre peut supporter, qu'elle peut porter. Et il se trouve qu'il y a un démographe de l'Université Rockefeller de New York, Joel Cohen, a créé un livre qui porte sur ce que je viens de vous dire, puisque ça s'appelle « Comment le monde peut-il nourrir sa population ?»« World can feed its population ». Et il a eu l'idée de rechercher toutes les estimations de la population que pouvait nourrir
une guerre faite par des scientifiques. Il n'a pas appelé des estimations qui sont données, mettons, comme le commandant Cousteau, une fois, avait dit il faudrait qu'on ne soit que 600 millions d'humains. Et c'est dans le projet de l'UNESCO. Et on avait demandé, la question suivante était, mais comment faire pour revenir à 600 millions? Il avait dit, il y a des tas de moyens. Alors là, vous avez une des plus anciennes, c'est le Van Hook. En même temps, il y en a une qui n'avait pas mis d'ailleurs, j'ai mis Petty, je vais rajouter, parce que Petty, c'est au XVIIe siècle, Van Hook, c'est l'inventeur du microscope, puis aussi celui qui a le premier observé les spermatozoïdes. Et c'est 14 milliards. Donc vous voyez qu'on est dans des zones. Alors les raisons pour lesquelles ils arrivent à 14 milliards ne sont pas les raisons qu'on donnerait maintenant. Puis vous avez une liste, mais vous voyez que dans certains cas, par exemple, vous avez tout en bas de la liste, René Revel donne 40 milliards. Puis vous en avez d'autres, dont les noms sont d'ailleurs connus, comme Paul Ehrlich, qui doit être là, c'est le plus haut qu'il ait donné. Il est souvent descendu plus bas, mais Pimentel, par exemple, est à 3 milliards. On ne voit pas le bras. Non, je le garde bien, justement, c'est ce que je vais vous montrer. Je me garde bien de donner un chiffre. Et quand on regarde, justement, on voit que ceux qui donnent les plus faibles chiffres, alors Raymond Pearl a donné un chiffre de 2,1 milliards, je pourrais vous montrer, c'est une prévision de population, de la population mondiale, assez subtile. Raymond Pearl a été le fondateur de l'Union internationale des démographes et aussi de l'Office of Population Research de Princeton. Donc c'était un grand savant, et lui arrivait, à la suite de calculs compliqués, à un maximum de 2 milliards à terme. Mais vous avez aussi donc Ehrlich, qui est à 5,5 milliards. Pimentel est aussi un des rénovateurs de la théorie de l'évolution. Guillard est aussi un biologiste. Et puis là, vous avez les économistes, hein, puisqu'on est dans un temple d'économie. Les économistes, vous avez Colin Clark. Colin Clark, vous le savez, c'est l'économiste qui a inventé le concept des trois secteurs, primaire, secondaire. Ça, c'est un très... très intéressant économiste, mais lui, il va à 28 milliards. Et puis, vous avez René Revel, qui, lui, va à 40 milliards. Et vous avez, au fond, ça dépend de la profession des personnes, d'une certaine manière. Les biologistes donnent des chiffres bas, et les économistes donnent des chiffres élevés. Donc, c'est impossible de donner l'idée qu'on puisse fixer un chiffre n'a pas de sens, ne serait-ce que... étant donné ce que je vous ai dit auparavant, c'est que ce qui compte, c'est le style d'alimentation. C'est en fonction, le chiffre dépend nécessairement du type d'alimentation, de la part qui sera réservée à l'alimentation animale et végétale, et puis aussi du gaspillage. Donc la question n'a pas grand sens. Alors, je ne sais pas si j'ai... Non, je n'ai pas là. Mais on voit aussi que j'avais fait ça par période de 50 ans. Et on voit qu'il y a des périodes d'optimisme et des périodes de pessimisme. Donc il y a une période de grand optimisme dans les années 1950 à 75, où là, la moyenne des estimations est de l'ordre de 20 milliards. Et puis, depuis 1975, on est retombé, pas loin d'ailleurs de ce qu'on est, c'est-à-dire de 8 milliards. Et je pense que la question, comme je vous l'ai dit, n'a pas de sens. Voilà quelques éléments, et je pourrais en dire plus sur la critique des projections de population, mais ça... Merci beaucoup. Hervé Lebret, client parfait en termes de timing, le modérateur n'a rien à faire, et puis le modérateur apprend, et il s'en doutait un peu que... Finalement, les économistes ne sont pas les seuls à se tromper. Les démographes ont aussi quelques marges de progression. Je ne sais pas si Yves Cochet a une idée de la population que peut supporter la planète. En tout cas, il a certainement l'opportunité de réagir. Oui, alors merci bien. J'hésite un peu, mais alors vous allez peut-être trancher mon dilemme entre montrer quelques diapositives édifiantes, un peu à la manière de Hervé Lebras, ou bien alors parler. Je ne sais pas ce que vous préférez, parce que je pense que si je monte quelques diapos, ça va durer pratiquement 12 ou 15 minutes, mais je parlerai en même temps, bien entendu. Mais si je parle... Vous sentez ben, je ne sais pas.
Ah, son et image. Voilà. Bon, d'accord, d'accord. Alors dans ce cas-là, si je veux emprunter, bien sûr, vous pouvez changer la porte. On va changer de place. Il faut que vous mettiez. Moi, je bouge pas. Oui, oui, j'ai ma clé, j'ai ma clé. Alors, je vais récupérer le micro. Mais par ailleurs, évidemment, peut-être parce que je bénéficie de moins de temps, mais aussi parce que je n'ai pas la prudence de lever le bras, je vais être dans le langage un peu plus saisissant, non pas pour avoir une sorte de radicalité ontologique que je n'ai pas du tout, mais parce que je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit parler de démographie à l'heure actuelle. Alors là, la souris ne bouge plus. La souris ne bouge plus. Non, non, c'est... c'est seulement... oui, j'ai débloqué. Ah, c'est ce ton là. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, alors, ce qu'on va faire, c'est... Attendez, je vais vous charger le... Non, il faut tenir. Non, mais attendez, je vais me charger, c'est... Attendez, je vais le faire. Ah, ouais. Voilà. Donc, pas l'habitude de ce... De ce point, le G d'ailleurs, c'est sur la touche G. Ah là, oui. On la voit pas. Est-ce qu'elle est sur un. Ah bah, ça y est, elle est. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oui, 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 oui. C'est lequel? Ah bah, c'est lequel? C'est Utopia, là. Et maintenant, c'est celui-là aussi. Voilà. Alors ici, diaporama, à partir du début. Voilà. Bon, j'en ai quelques-unes pour m'abriter derrière un savant bien connu, que certains considèrent comme le plus grand intellectuel français du XXe siècle. Il a parlé plusieurs fois, et depuis très longtemps, depuis les années 50, de démographie en disant que... il ne peut pas concevoir, et alors bien sûr il y a ce palier, la transition, comme on dit parfois à l'INED, suivi d'une redescente d'ailleurs, un peu comme ça a été évoqué, mais évidemment les désastres causés seront irréversibles, hélas. Alors ça c'était l'année de sa mort, mais il en avait parlé bien avant, dans les années 50, il était en fait... je fais ça sans doute maintenant. Regardons ce que disait le GIEC dans son dernier rapport avant la COP21. Le GIEC dit que les deux principaux « drivers », comme on dit en anglais, des émissions anthropiques, bien sûr, eh bien, c'est la croissance économique et démographique. C'est vraiment les deux principaux. Donc c'est à ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder les éco-gestes du genre « arrêter le robinet » quand on... Ça, c'est pour les bébés. Non, il faut être très sérieux. La croissance économique et démographique, c'est ce qu'il y a de plus important et de plus inquiétant. Alors d'ailleurs, je crois que j'ai une autre... Dans le rapport de synthèse, c'est ça, ils redisent, le GIEC, toujours, qui ne sont pourtant pas... C'est le rapport de synthèse, vous savez, pour les décideurs, et le GIEC, c'est pas non plus des extrémistes, hein, c'est des gens qui, justement, parce qu'ils sont très nombreux, ont des phrases assez raisonnables. Alors, en effet, je crois que Hervé Lebras a cité aussi ces 15 000 savants qui, dans le monde... à la mi-novembre, avant la COP23, cette fois-ci, et c'était la deuxième fois après 1992, hein, donc c'est pas quand même, c'est 25 ans après, pratiquement, alerte, et pour la première fois, sur les 14 propositions, il y en a deux, en effet, même si la 13e que vous avez évoquée est scientifiquement un peu inepte, mais il y a la 8e aussi qui indique que la question de la démographie est un accélérateur majeur des désastres environnementaux en général, pas simplement bien sûr le climat, mais aussi la perte de biodiversité. Alors vous connaissez les chiffres actuels qui sont totalement effrayants. En 15 ans, en France, donc, on a perdu 30% des populations d'oiseaux, et en 40 ans, en Europe, 80% des populations d'insectes. C'est une catastrophe absolue, quoi, mais ça ne nous empêche pas de continuer à rouler. Alors maintenant, en quelques mots, donc je fais ma thèse principale, et qu'il y a un rapport, bien sûr, de
on peut dire de corrélation, mais je dirais de causalité entre la croissance des populations humaines et la croissance de la consommation d'énergie. Autrement dit, causalité, donc c'est une hypothèse, mais enfin j'y crois pas mal, sans la découverte des fossiles, on ne serait pas à 7 milliards et demi maintenant, on serait peut-être 1 ou 2 milliards, et encore, ça n'est pas sûr que le premier milliard a été dépassé, premier milliard, c'est vers 1830, entre 1800 et 1830, hein, le premier milliard d'habitants, et ensuite, alors on voit ces courbes en crosse de hockey, comme on dit parfois pour les émissions de gaz à effet de serre, mais qui ressemblent, c'est pas exactement la même échelle, à la consommation d'énergie essentiellement fossile, car on est bien d'accord, quand je dis énergie, c'est les fossiles, les énergies renouvelables, le nucléaire, l'hydroélectricité, tout ça, c'est pour les bébés aussi, c'est pas sérieux. Ce qui est sérieux, c'est les fossiles, charbon, le pétrole et le gaz. Hein. Le reste est du détail, c'est marginal. Donc pour moi, s'il n'y a pas les fossiles, on serait beaucoup moins. Et comme je vais essayer de montrer qu'il y aura moins de fossiles, alors ça c'est les courbes assez classiques que vous connaissez, et qui se révèlent assez justes du rapport Meadows d'il y a maintenant 45 ans. Lisez les programmes de Giscard, faire un peu de politique, ou de Mitterrand en 1974, vous allez plier en deux de rire tellement ce qu'il disait à l'époque n'est pas du tout advenu, pas du tout, du tout. Notamment sur la croissance ou les trucs comme ça. Alors que ce que disait Meadows, il y a eu un rapport donc, qui, 40 ans après, là, eh bien, est à peu près exact, et on verra qu'en 2030, même un peu avant, on regarde la courbe de la population là qui est en bleu, en 2030, elle décroît, mais je vais montrer un autre modèle, disons, qui montre que ça peut encore dropper ou décroître beaucoup plus vite. Et donc, les projections qu'on a eues, les projections de l'ONU, je n'y crois pas. Ni pour 2050, ni encore moins pour 2100, ni même pour 2030. Alors, revenons. Alors là, j'ai quelques courbes qui sont dues à Paul Scheffourka, mais enfin, on les trouve dans d'autres disons, futurologues ou savants. Il y a un couplage entre la consommation d'énergie, le PIB et la population. C'est un couplage qui est donc une corrélation extrêmement forte, et ce qui, par exemple, dans la loi de transition énergétique de 2015 de Madame Royal, eh bien, il est prévu que le PIB de la France entre 2015 et 2050, loi 2050, hein, multiplie par 2, donc en gros 100% d'augmentation, tandis que l'énergie divise par 2. Ceci est totalement irréaliste, quoi. Ça n'existe jamais dans aucune civilisation et dans aucun intervalle de temps aussi sérieux que 35 ans. Jamais on a vu ça. Alors bien sûr, la France, tout, mais quand même à ce point-là de déraison. Et pourtant, même mes amis écologistes l'avaient voté à l'époque en 2015. Donc, d'ailleurs, certains économistes de l'École d'économie de Paris ont montré que le découplage entre la croissance économique et la consommation d'énergie est impossible, notamment, enfin, les gens de... Pardon ? Ils n'ont pas toujours raison, les économistes. Pas toujours raison, c'est vrai, c'est vrai. Et les économistes en général, d'ailleurs, se trompent, disons, pour 99% d'entre eux. Vous avez raison. Alors, maintenant, regardons ce qu'il peut advenir des fossiles, car l'énergie, c'est des fossiles. Eh bien, d'après ce que je pressens, mais ce n'est pas un sentiment, c'est basé sur plusieurs études, en gros, ce qu'on appelle le maximum de consommation du pétrole, ça arrivera vers 2020. Hein. On n'est pas à 5 ou 10 ans près, même. Ne soyez pas sur les détails. Ce qui compte, c'est le trend à 20 ans, à 50 ans. Et les gros chiffres, 500 millions, 5 milliards, ça c'est du sérieux. Le trend. Donc l'huile va bientôt décroître. Il y a un petit décalage par rapport à la date de ces diapos, parce qu'on a découvert, bien sûr, les huiles de schiste, notamment dans le Dakota du Nord et dans les Appalaches et un peu ailleurs, et au Texas d'ailleurs. Mais ça sera une petite fluctuation de l'histoire pendant 10 ans. Ceci va disparaître vers 2020-2025. C'est-à-dire tous les gens qui font de l'huile de schiste ou du gaz de schiste sont pratiquement ruinés parce qu'il faut sans arrêt forer
et forer, et reforer, et les forages aboutir. Alors pour le gaz, bon, c'est plutôt vers 2030-2040, peut-être qu'il y aura un pic, et pour le charbon, 2030-2040 aussi, je parle de l'extraction réelle, on dit quelquefois, c'est un chiffre scandaleux, mais non mais le charbon, il a 150 ans de réserve par rapport à la production qu'on avait en 2015. Ceci n'a aucun sens, ni géologique, ni économique. On ne tient pas compte du coût d'extraction, et donc de la raréfaction, et on ne tient pas compte non plus de ce qu'on appelle l'énergie nette du charbon. Hein. Je reviendrai sur ces termes, mais je ne veux pas être trop long. Alors, allons plus vite encore. Maintenant, pour l'énergie totale du monde, eh bien, vous voyez que le pic, c'est vers 2025, allez, 2030, si vous voulez, je ne suis pas à 5 ans près, mais voyez qu'ensuite, 2040, 2035, 2045, 2050, là, il y a une chute extrêmement brutale, que j'appellerai plus tard, dans quelques instants, la falaise de Sénèque, et où on divise pratiquement par deux ce qu'on aura eu 20 ans auparavant. Par deux, c'est une catastrophe économique. Et ne croyez pas que l'économie... Alors, ce n'est pas une question de capitalisme ou d'économie soviétique ou chinoise, quoi que ce soit. Le système économique n'a rien à voir là-dedans. C'est purement matérialiste. L'argent n'a d'ailleurs aucun sens quand on parle d'environnement ou de géologie. Ça n'a aucun sens. Quel est le prix d'une tonne de charbon? Quel est le prix d'une disparition d'un oiseau ou d'une espèce d'insecte? Personne ne peut le dire. Hein. Bon, donc voilà à peu près. Alors, nous sommes, comme vous le savez, depuis à peu près une trentaine d'années en overshoot. D'ailleurs, tous les ans, maintenant, vers le début août, c'est la date, disons, du dépassement. Vous avez peut-être entendu parler de ça tous les ans. La date du dépassement, on était évidemment en 1980, ça correspondait au 31 décembre, et maintenant c'est début août. Évidemment, overshoot, ça veut dire que la population mondiale, alors avec d'énormes différences évidemment entre les riches et les pauvres, hein, puisque 1 milliard d'habitants émettent 60% des gaz à effet de serre. Donc les 6 milliards et demi n'en émettent que le reste, hein. C'est 1 milliard, donc c'est vraiment les riches, évidemment. C'est-à-dire nous, en gros. Hein. On est en overshoot, et en plus, on dégrade ce qu'on appelle la capacité, la biocapacité, c'est-à-dire la capacité de la Terre à se renouveler, c'est-à-dire à accepter nos déchets, et à faire de la production primaire, végétale, essentiellement. Hein. Bon. Alors, l'overshoot, c'est à peu près voilà, une trentaine d'années qu'on est en overshoot, et plus ça va, plus la date du dépassement est précoce. Alors, donc du coup, si on tient compte à la fois de l'énergie déclinante, que j'ai montré sur quelques diapos, c'est-à-dire essentiellement les fossiles, et alors bien sûr, je ne crois pas un instant que les énergies renouvelables parviendront en 2030 ou 2050 à la même puissance et à la même quantité que les fossiles, quoi. Jamais. Il n'y a que les écolos benets qui croient ça, mais pas moi. Hein, bon. Donc ne croyons pas qu'avec quelques éoliennes, quelques photovoltaïques, ou quelques hydroélectricités, on arrivera à avoir autant de puissance et autant de quantité d'énergie que ce qu'on a actuellement avec les fossiles. Bon, alors voilà ce que ça donne. Donc, là, c'est les projections, vous voyez, qui ne sont pas du tout celles de l'ONU, de la division des populations. Bon, vers 2025, ça va commencer vraiment à décroître. Hein, alors, la falaise de Sénèque, parce que Sénèque est un des seuls philosophes, il y a eu beaucoup de philosophes grecs, mais le romain, il n'a pas eu beaucoup. Sénèque disait « la croissance est lente ». Mais la ruine est rapide. C'était il y a plus de 2000 ans qu'il a dit ça. Eh bien, je vois ici une... Donc vous voyez que vers 2050, on serait plutôt peut-être vers 4 milliards, et non pas 9 milliards comme le pense l'ONU, et vers 2095, 2100 si vous voulez, 1 milliard, pour des raisons strictement matérielles, des raisons de paupérisation de la géologie de la Terre. 90% de ce qu'on a, même dans cette pièce, c'est pratiquement 95%, viennent du sous-sol. Et c'est non renouvelable. Une voiture est 100% non renouvelable, le pétrole 100% non renouvelable, le gaz aussi, le charbon, etc. Hein. Un ordinateur, c'est 100% aussi du non renouvelable. Alors, tout ça va disparaître parce que la difficulté de l'extractivisme est basée sur l'énergie nette. Quand vous dépensez plus d'énergie pour extraire de l'énergie que celle que vous allez avoir pour la société, ben vous faites comme si vous aviez un salaire négatif, et vous travaillez, puis vous payez pour travailler. C'est strictement ridicule du point de vue économique. Mais c'est ce qu'on fait actuellement, enfin c'est ce qu'on est en train de faire
l'énergie nette baisse énormément dans tous les domaines, Encore 5 minutes. Eh bien, alors, je vais pouvoir peut-être... Voilà, c'était la dernière diapo. Maintenant, je vais donner quelques indications supplémentaires. Alors, ah ben oui, on peut peut-être... Ou bien alors, donc, quelques minutes supplémentaires. Alors, on dit, ben oui, mais alors, dites-donc, vous avez une vision extrêmement pessimiste. Moi, je suis ni optimiste ni pessimiste. Je regarde vraiment, un peu comme Hervé Lebras, les statistiques, mais pas simplement démographiques. Les statistiques systémiques et holistiques de l'ensemble des matériaux et des énergies. Tout ce qu'on extrait. Puisque, je vous dis, 90% de notre richesse, ça vient du sous-sol, c'est pas renouvelable. Ce qui est renouvelable, c'est plus ou moins l'alimentation et l'eau. Et encore, que l'eau, c'est la même qu'il y a 5 milliards d'années, il n'y a pas une molécule de plus, il n'y a pas plus de l'eau depuis, le cosmos extraterrestre. Hein. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que je peux dire? On me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les gestes qui permettraient d'éviter éventuellement ceci? Eh bien, contrairement à ce qu'on croit, mais je vais le dire de manière... Il y a 4 éco-gestes fondamentaux, pour ceux qui aiment ça. Alors, c'est pas arrêter le robinet contre le prochain, vous allez le voir. Le premier, et de très loin le plus fort, c'est choisir de ne pas avoir un enfant supplémentaire. Ceci économise dans les pays industrialisés, c'est-à-dire, je parle d'un 1,5 milliard d'habitants, là. Ceci est la réduction de 58 tonnes de CO2 équivalent par année. C'est absolument énorme. Et donc, le problème n'est pas le sub-Sahel ou l'Afrique équatoriale. Il n'y a eu aucun problème, là. C'est pas du tout ça, comme j'ai cru de l'entendre. Le problème, c'est l'impact, l'empreinte écologique et même l'héritage démographique des pays du Nord. Il y a des gens... En gros, c'est 58 tonnes. Si, alors on dit, oui, mais maintenant, depuis le MLF, on va voter, on va bientôt, oui, ça, célébrer mai 68, j'y étais, etc., du Ruguay-Lussac, les pavés, toute la mythologie. Et puis après, il y a eu le MLF, et puis notre corps, nous-mêmes, c'est nous, et non plus les pères, n'est-ce pas, ou les maris qui choisissent. Et donc, chaque femme, maintenant, peut choisir, ici ou ailleurs, d'ailleurs, et c'est très bien. Mais est-ce un problème politique? Est-ce que le problème d'avoir un enfant ou pas est un problème d'un couple? Actuellement, là, ben, c'est les couples qui choisissent. Alors, à égalité entre hommes et femmes, parce qu'on discute, est-ce qu'on doit en avoir un, deux, trois? Bon, ça dépend évidemment de notre revenu, là où on habite, enfin, etc. Non, c'est un problème éminemment politique, et même politique mondiale, et notamment en France et en Europe. On dit non, mais parce que la France a encore un taux un petit peu de fécondité de 2, mais regardez, l'Allemagne n'a plus d'enfants, le Japon n'a plus d'enfants, oh, qu'est-ce que c'est triste! Mais non, 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 non. Le fait de pousser à la natalité, comme le fait d'ailleurs, plus ou moins, alors là, c'est une petite pique, vis-à-vis, non pas Hervé Lebras, mais enfin l'INED du maire général, qui était créé par Alfred Sauvy, qui était un nataliste patenté, hein, patenté. Il fallait faire des enfants, parce que plus on fait d'enfants, plus on est une grande nation. J'ai quand même fait un livre qui s'appelle « Marianne et les lapins ou l'obsession démographique ». Donc, c'est moi qui ai fait ce livre. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Mais enfin, Alfred Sauvy... Bon, bref. Alors, ensuite, le deuxième éco-geste, mais on va voir, si on peut vivre sans voiture, vroom vroom, eh bien, on économise 3 tonnes de CO2 équivalent par an. Si on ne prend pas l'avion, par exemple, un voyage transatlantique, c'est 1,5 tonnes de CO2 équivalent par an, si on le ferait, pour un aller-retour au Paris-New York. Et enfin, si on mange végétarien, oui, végétarien, vegan, si vous voulez, hein, c'est 1 tonne de CO2 équivalent par an en moins. Et donc on voit bien, alors tout le reste est, disons, marginal, quoi. Ça va être 10 grammes de CO2, etc. Tout. Donc c'est ça les 4 éco-gestes. Et de très loin, le meilleur éco-geste, c'est-à-dire, non, je n'ai qu'un enfant plutôt que 3. Et ça, j'économise combien alors? 58 tonnes de CO2 équivalent par an. Alors comment c'est fait ça? Je peux vous donner évidemment les références scientifiques, hein, des gens qui ont calculé ça. Je vous les donnerai, je ne veux pas être trop long, et il y a une méthode pour ça, c'est ce qu'on appelle, non pas l'empreinte écologique, mais l'héritage carbone. L'héritage carbone. Alors, en général, quand on calcule l'empreinte écologique, vous voyez, tout le monde connaît l'empreinte écologique, on dit, ben, qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais me déposer en voiture, ou en tramway, ou même en vélo, hein, etc. Est-ce que je vais me transporter souvent? Et quel va être mon mode de chauffage dans ma maison? Est-ce que c'est le chauffage électrique, ou le fuel, ou le bois, ou l'énergie solaire? Oui, c'est bien. Mais jamais on parle de démographie, alors que c'est de très loin ce qu'on peut appeler l'héritage carbone,
est de très loin le facteur le plus important pour éviter d'émettre des gaz à effet de serre. Bon, j'ai peut-être encore une minute. Eh bien, je vais dire qu'il y a une habitude de la pensée progressiste. Alors, en général, la droite accuse les néo-malthusiens comme moi, hein, ou comme l'excellente association démographie responsable, dont je vois quelques personnes ici, hein, que je soutiens beaucoup. La droite dit non, mais alors vous êtes pour les avortements massifs, vous êtes pour la promotion, n'est-ce pas, de l'homosexualité et l'abandon du patriotisme. Et alors la gauche bien pensante, qui en général aussi est assez nataliste, dit vous attaquez les droits de l'humain, les droits de l'homme, hein, j'entendais encore ce midi sur France Culture, hein, les droits de l'homme, etc. Parce que quand même c'est un droit fondamental, il y a même des discussions sur la PMA et la GPA, le droit d'avoir un enfant. Est illusoire et scandaleux, quoi, quand je vois. Et il y a des forums entiers, y compris chez les ébolos là-dessus. Non, le problème, c'est est-ce que j'ai un enfant ou pas. Et c'est un problème pas de couple, c'est un problème politique qui devrait être réglé, comme l'a fait l'Iran. Pourquoi l'Iran, entre 85 et 2005, a vu sa fécondité? Parce que le gouvernement iranien, que je n'aime pas du tout, un gouvernement de frappadin d'islamique, en gros, eh bien, a une politique décidée avec vraiment de baisse de la fécondité, et ça a marché beaucoup plus douce que la politique chinoise qui interdisait d'avoir un deuxième enfant, plus douce, mais c'est une politique décidée, ça a marché, gouvernement iranien. Alors qu'on prend les Iraniens en général pour les exciter, enfin des gens très dangereux, et alors que les Iraniens sont parmi les populations les plus subtiles du monde, hein. Ils ont 5000 ans de civilisation, nous on en a à peine 2000, et encore quand on voit ce qu'on fait. Bien. Alors, une dernière chose, c'est que, c'est peut-être parce que maintenant je suis vieux, mais ne pas croire qu'une population jeune et une nation jeune, et beaucoup de jeunes, d'abord il faudra payer les retraites après pour ces jeunes-là, hein, bien entendu, ça sera un vrai problème, et que c'est mieux du point de vue économique. Et un jeune coûte plus cher qu'un retraité. Et que c'est mieux... Non, en gros, le jeunisme va très bien avec le croissancisme, la compétition et autres, disons, poussées capitalistes. C'est-à-dire, il faut absolument qu'on soit exportateur, qu'on soit innovateur, etc. Il faut faire des jeunes, parce que c'est les jeunes... Enfin, typiquement, le discours de Macron actuel, tout ça est vraiment tout à fait scandaleux, alors que les nations les plus âgées, eh bien, les personnes âgées rendent plus de services, en fait, à la population générale. Par exemple, les deux tiers des gardes d'enfants non rémunérés sont dus aux grands-parents. Les deux tiers, c'est absolument énorme. Absolument énorme. Je pourrais citer d'autres choses. Donc, une nation vieille, au contraire, c'est plus sage, c'est plus calme, c'est plus intéressant. On a le temps. Mais si les petits-enfants n'auraient pas besoin des grands-parents. Alors, justement, les petits-enfants, oui, absolument. Les petits-enfants font dans ce que j'ai appelé l'héritage carbone. Ils comptent pour un quart. Et enfin, eh bien. Je n'ai pas donc une vision, on peut dire un peu comme vous l'avez présenté, Hervé, une vision gradualiste, réformiste et continuiste de l'histoire. Je pense que dans les années qui viennent, comme on le voit par ces quelques courbes que je vous ai montrées, dans les années qui viennent, je ne suis pas à 5 ans près, même à 10 si vous voulez, mais les années 2025, 2035, le tremblement du monde va être tel qu'on ne sera pas du tout préparé et que la démographie va baisser, non pas par ce que je défends totalement, hein, l'éducation des petites filles, je défends ça absolument, mais par les trois moyens les plus classiques, les famines, les épidémies et les guerres, hélas. Merci. J'ai compris qu'il n'y aurait pas que des bonnes nouvelles, mais avec humour quand même. Alors, je vais passer la parole à la salle, et comme ça, il y aura ensuite un échange. Voilà. Bonsoir. J'ai oublié l'auteur, mais le type qui a écrit le livre « La ruée vers l'Europe ». Stéphane Smith. Voilà. En fait, ce qu'il dit dans le livre, il dit quand il parle des Africains, entre autres, hein, quand ils décrochent des bons diplômes, ils montent en Europe pour les valoriser mieux que s'ils restaient dans leur pays. Oui. C'est ça le truc. Et alors justement, ça fait écho à ce que vous venez de dire. Pourquoi dans les pays du Nord, on va se restreindre dans la natalité, alors que la natalité, c'est assez jouissif. Avoir un enfant, c'est
c'est quand même le bonheur suprême, enfin moi en tous les cas je l'ai vécu comme ça. Si on baisse notre natalité, la ruée vers l'Europe va compenser, donc on a déplacé le problème. Vous voyez la question que je pose. On va prendre quelques questions, alors il y en avait juste derrière, allez-y. Juste derrière. Oui, donc j'entends très bien ce que vous dites par rapport à la démographie, que ce serait un problème éminemment politique, ok. Cela dit, si on prend notre civilisation actuelle et qu'on réduit la population à 1 milliard, c'est beaucoup d'esprit, ça n'enlèverait rien à tous les problèmes écologiques, la déforestation, les pollutions, etc. Donc en fait, ça serait le même système à 1 milliard de personnes, mais ça n'enlèverait rien à toutes les problématiques liées aux écosystèmes, à la pollution, etc., à la déforestation, etc. Comme je le disais, moi, je ne veux pas ce système-là. Même à 1 milliard de personnes, ça change pas. Alors, j'ai des questions, j'en ai pas. Oui, ma question s'adresse essentiellement à Hervé. Hervé, il y a un truc dont tu n'as pas parlé, c'est l'immigration. L'immigration, enfin, tu as parlé du décalage entre la croissance de la démographie en Afrique et avec celle des autres continents. Enfin, et là-dessus, Yves Cochet il ne répond pas, enfin, parce que l'inertie de la démographie et des cours démographiques et de la fécondité en Afrique, enfin, c'est quelque chose qui ne va pas se casser comme ça. Et ce que montrait Hervé, c'est qu'au contraire, plus il y a de guerre, plus la fécondité augmente. Mais le différence, dont tu n'as pas parlé, Hervé, c'est l'immigration. L'immigration en Afrique. L'immigration de l'Afrique, parce que ce surplus de population, là, les 2 milliards qui vont arriver en plus, ils vont aller vers où? C'est interpays, enfin, vers le Moyen-Orient, vers l'Asie, ou vers l'Europe, enfin, je ne sais pas, j'aimerais bien avoir tes considérations sur ce point. Merci. Je vais prendre encore deux questions, et puis ensuite on refera un tour de... Une petite question rapide, je voudrais avoir quand même un peu de détails sur les 58 tonnes par an et par enfant. Ça me semble gigantesque, 5-8, je voudrais bien, mais 50, ils ne mangent pas de viande, ils ne prennent pas l'avion, quand ils sont petits, etc. J'avoue que ce chiffre me sidère un peu. C'est des pères de famille nombreuses qui vous posent la question. Alors, c'est une question pour Hervé Lebrun. Alors, sauf que c'est une question sur la subsistance, alors c'est peut-être pas exactement cadré. Je n'arrive pas à savoir, on sait que la France est exportatrice de produits agricoles, mais c'est exportatrice en unité monétaire. Je suis même pas complètement sûr, mais est-ce que la France est exportatrice ou importatrice nette de calories? Je ne sais pas si, grosso modo, est-ce qu'on survivrait en bouffant que ce qu'on a sur le territoire? Okay. Alors, je vous donne la parole. Peut-être Yves Cochet peut commencer, et puis ensuite, puisqu'il a le micro devant lui. Ah oui, juste une question logistique. Inversons les. Alors, la ruée vers l'Europe va au contraire s'accélérer s'il y a moins de population en Europe, parce que ceux du Sud, notamment les Africains, entre nous, ils ont une sorte de. Disons arrière-pensée un petit peu, comment dirais-je, entre l'Europe, enfin je ne veux pas dire des gros mots, hein, mais c'est pas très net du point de vue, disons, de l'éthique. Pour moi, une Chinoise, une Africaine, une Française, c'est les mêmes. Ils ont les mêmes droits, la même valeur, etc. Donc, non, je ne crois pas que ça va accélérer. De toute façon, aucun mur et rien du tout, si les gens veulent venir, ils viennent. Et ce n'est pas la question de la démographie, même si je plaide encore une fois pour diminuer, je dis bien, la pression globale, pas simplement démographique de l'Europe, hein, qui est encore une fois beaucoup plus forte. En gros, un Européen ou une Européenne, c'est à peu près 15 Sénégalais. C'est-à-dire qu'on n'est pas 500 millions en Europe. On est 15
15 fois. Si c'était comme au Sénégal, qui n'est pas un pays parmi les plus sous-développés, comme on dit parfois, on dit plus ça maintenant, mais enfin bref, eh bien, il faudrait multiplier par 15. C'est-à-dire multiplier, tu vois, on serait peut-être 7 milliards et demi, rien qu'en Europe, si on était, si on vivait comme les Sénégalais. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas uniquement le nombre absolu, c'est le nombre multiplié par l'impact, par l'empreinte. C'est l'équation I égale PAT. Je ne sais pas si vous connaissez cette équation, elle est extrêmement intéressante. Le nombre en soi ne dit rien. Ce qui compte, c'est que... Alors, on peut... Il y a des sites qui disent « Calculez votre empreinte écologique ». Et on voit, alors je peux donner les chiffres, là, si vous le souhaitez, que les Européens... Je ne vais pas tout donner, mais je le réponds quand même précisément. Alors, soit on dit les tonnes de CO2 équivalent par habitant et par an. Eh bien, pour un États-Unien, la moyenne, c'est 18 tonnes de CO2 par habitant et par an. Pour un Européen, c'est 8, pour un Chinois, c'est 6, pour un Indien, c'est 2. Un Indien dit, oui, mais les Indiens sont déjà plus d'un milliard. Et puis, comment est-ce qu'on peut économiser 58 tonnes par enfant si un Américain... Mais parce que c'est l'héritage. C'est une fois que les enfants qui auront 80 ans en 2095 ou 98, et un enfant que vous faites maintenant, eh bien vous allez être responsable, vous, parce que vous avez choisi d'avoir un enfant supplémentaire, de tout son héritage à lui. De tout son héritage. Et ses petits-enfants, on compte pour un quart. Et les petits-petits-enfants, on compte pour... Alors, c'est 1/2 puissance N. Donc, c'est 1,3, c'est pour 1/8. Donc, c'est un héritage considérable. C'est juste pour répondre aussi à ta question. C'est comme ça qu'on calcule. Hein? Ah ben oui, mais il faut le calculer, parce que... Moi, j'ai une fille. Elle a maintenant 45 ans. Donc, ça fait 45 ans, une fois que j'ai décidé avec ma femme d'avoir cette fille, qu'elle a, en gros... 8 tonnes de CO2 équivalent par an. Et c'est moi le responsable. Donc je m'attribue la responsabilité de cet héritage carbone. Alors, pardon. Il la partage avec la femme. Oui, c'est la moitié chacun, absolument. Oui, non, c'est tout. Alors, pourrez-vous donner les deux articles essentiels qui sont parus dans les revues chez Elsevier, les revues les plus scientifiques, hein, comme Nature ou Science, c'est pas Nature ou Science, mais en fait, c'est le même genre. Alors, je réponds aux autres questions, sinon je vais monopoliser. Alors, vous dites c'est à peu près la même chose en termes de destruction de l'environnement global. 1 milliard d'habitants ou 7 milliards et demi ? Ben non, c'est pas du tout la même chose. Moi, en gros, mon raisonnement, c'est que s'il y avait 7,5 fois moins d'habitants, c'est-à-dire si on était 1 milliard, ben, il y aurait 7,5 fois moins de destruction de l'environnement. Donc ce serait totalement et considérablement moins, divisé par 7,5. C'est beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. Donc je ne comprends pas très bien votre raisonnement. Enfin, j'ai répondu à ta question en ce qui concerne les 58 millions, là. C'est l'héritage sur 80 ans d'enfants, plus 80 ans après encore des petits-enfants, etc. Après, on fait 1/2, puis un quart, puis 1/8, etc. Et ça fait quand même, en gros, 58 tonnes par habitant et par an. Au total, pour 80 ans, ça fait 4500 tonnes, un truc comme ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, alors, dans le livre de Stephen Smith, il y a une idée vicieuse, mais pas entièrement fausse. C'est l'idée que si on continue à... Vous allez sauter en l'air. C'est dans le livre. Que si on continue à accorder de l'aide au développement, les pays africains vont se développer. Ils auront donc des diplômés en plus grand nombre. Et c'est là le point qui est juste. Et ces diplômés iront vers l'Europe. Donc... Alors, c'est un point qui est très juste sur la migration. C'est-à-dire la migration, on nous montre toujours des pauvres hères qui vont se précipiter sur l'Europe, mais c'est absolument pas ça. En plus, la migration en France, on peut aussi en dire un mot, dans chaque pays il y a des problèmes, mais en France, c'est pas tellement les réfugiés. Les demandes de réfugiés qui ont culminé à 100 000 l'année dernière, c'est pas le niveau de la migration officielle, c'est-à-dire des cartes de séjour qui ont été attribuées l'année dernière en France, et il y en a eu 260 000, c'est beaucoup plus. Sur ces 260 000, 70% avaient le bac
ou un niveau supérieur au bac. C'est ça, la migration de l'avenir. C'est la migration des gens diplômés. Alors, ceci dit, on va dire, mais c'est énorme, c'est arrivé de 260 000, mais il y en a un certain nombre qui sont repartis. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui sont repartis. L'année dernière, le solde migratoire des Français, c'est 110 000 personnes. Donc, l'écart, si vous voulez, entre les arrivées moins les départs d'étrangers et les arrivées moins les départs de Français est fait. Vous pouvez voir sur le site de l'INSEE, c'est 60 000 à 70 000 selon l'INSEE. Mais ça veut dire qu'il y a une circulation de gens qui sont de plus en plus diplômés. Donc l'argument de Stephen Smith est intéressant, mais ça veut aussi dire que ce n'est pas du tout les catastrophes style Darfour ou style Somalie qui sont génératrices de migration vers l'Europe. C'est là que Stephen Smith se trompe complètement. Ces gens-là n'ont pas les ressources pour venir en Europe. Les types du Darfour, ils sont abêchés à 100 km de la frontière du Soudan, dans le Tchad, dans des camps où il y a plus de 200 000 personnes. Les Somaliens sont dans des camps au nord du Kenya, et plus de 500 000 personnes, le plus grand camp de réfugiés du monde. Donc, alors, du coup, cette migration de personnes ayant un capital d'éducation, pour revenir sur les points qu'a soulevé et Cochet, s'ils viennent en Europe, à ce moment-là, ils seront comme les Européens, ils dépenseront donc autant que les Européens. Absolument. Donc, votre un enfant de moins, il faut que ça soit partout, il ne faut pas que ça soit... Alors, je ne sais pas, on n'arrive déjà pas à empêcher les habitants du Niger de faire 7 enfants, même plus, 7,4 enfants par femme. Je ne vois pas comment, par quels moyens vous allez arriver à maîtriser cela et à faire baisser la fécondité de ces pays-là, sachant qu'en plus de ça, plus la fécondité baissera, plus ils seront développés et plus ils seront capables justement de migrer. Donc là il y a une sorte de cercle vicieux qui est difficile à régler. Plus l'argument, et je suis d'accord avec Georges Ménahem, l'argument que cet état d'instabilité va favoriser la haute fécondité dans un certain nombre de régions du monde. Et ce qu'on pense, si vous voulez, c'est que cette très haute fécondité du Niger, alors là où je suis d'accord avec vous, c'est que l'empreinte écologique des habitants du Niger est excessivement faible. Mais ils sont très nombreux, ils seront très nombreux si ça continue, et ils ne vont pas venir chez nous. Ils viendront, ils descendront, comme les migrations ont des habitudes, ils descendront comme ils l'ont fait depuis des siècles, vers les pays du sud, donc vers le Cameroun, vers un peu plus loin, vers la Côte d'Ivoire, et ils déstabiliseront ces pays. Voilà un scénario qui est plus vraisemblable que la crainte de M. Stephen Smith de la ruée vers l'Europe. D'ailleurs, Stephen Smith prend toute l'Afrique, donc il pense comme ça que les Africains du Sud vont se ruer vers l'Europe, mais ces Africains du Sud sont bien plus loin que le 1 milliard 300 millions d'Indiens, qui ne sont pas non plus très riches. Donc si on se met à raisonner de ces manières-là avec des grandes masses, on n'arrive pas à grand-chose. Je voudrais aussi revenir sur cette idée, je répondrai très rapidement ensuite deux autres points, mais sur cette idée que j'ai tenté de développer de système, c'est-à-dire que quand on oppose population et subsistance, ça ne sert à rien. Il faut aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je dirais un peu la même chose pour ce qu'a dit Yves Cochet à propos de population et énergie. Votre argument est que les deux sont complètement liés. Mais si vous faites sur un graphique la croissance démographique et puis la consommation d'énergie, il n'y a absolument pas ce lien que vous indiquez. Il y a même le lien inverse. Plus un pays a une forte croissance démographique et une forte fécondité, moins il consomme d'énergie. Vous le trouverez très facilement en faisant ce graphique-là. Donc là, dès que vous entrez dans le détail, et c'est souvent pour ça qu'il faut entrer dans le détail, les arguments généraux, avec ce que j'avais repris le terme de pseudo-concept, pseudo-réel plutôt de Alfred North Whitehead, c'est un peu cela. Quand on raisonne à cette échelle-là, on ne saisit pas le phénomène. Il y a un système, il y a des,
qu'il y a des engrenages, et c'est cela qu'il faut chercher, je pense, à comprendre, plutôt que de confronter globalement des grandes masses générales comme la population, les subsistances, l'énergie, comme si c'était des acteurs qui avaient une existence. Non, ça se passe à des niveaux beaucoup plus fins, les relations entre tous ces phénomènes. Sur la même chose d'ailleurs, et ça m'amène à la réponse sur, qui est difficile, sur est-ce qu'on importe ou non des calories en France, ben, ma réponse est, c'est justement, tout dépend du système, c'est-à-dire on peut en importer, mais on va les transformer en calories animales, ou bien on peut sortir, donc je ne connais pas de calcul qui permette de dire si on en importe ou non, on peut le dire simplement pour telle ou telle catégorie de produits, donc on importe un peu plus de certaines catégories, notamment par exemple le soja, mais on exporte d'autres catégories, mais elles ont pas c'est pas les calories qui ont la même valeur. La calorie de bœuf qu'on exportera ou de veau, c'est 10 calories de soja, donc il faut faire un calcul assez compliqué. Je ne connais pas ma connaissance dans le livre que j'ai cité, animé par Marion Guillou, il n'y a pas de... Je ne connais pas de données ou de chapitres sur ce sujet. Bon, alors, est-ce que j'ai une impression? Non, c'est trop compliqué. À une époque donnée, on parlait à juste titre, parce que là, c'était beaucoup plus clair, du paradoxe de la Hollande. C'est-à-dire, et donc, effectivement, que les Pays-Bas, en fait, avaient une toute petite surface, mais en termes, là, presque d'empreinte écologique, ils avaient, par contre... de la fête de toutes leurs importations de calories, ils avaient une beaucoup plus grande surface par rapport au monde. Mais pour la France, je ne pourrais pas vous répondre. Peut-être juste une petite question par rapport au graphique qu'a montré Yves Cochet sur le scénario sur la population avec la falaise de Sénèque démographie. Ce n'est pas du tout les chiffres que vous avez montrés juste avant. Est-ce que ce type de scénario-là est absolument improbable, probable? En tant que démographe, quel est votre regard sur ce type de scénario? Le problème de ce type de scénario, c'est pour ça aussi que je vous ai montré mes réserves sur les projections de population, les deux graphiques que je vous ai montrés sur l'Iran et sur la France, quand vous voyez à quel point ça changeait, même avec, je suis d'accord avec le terme qu'a employé Cochet, même en termes de continuité, puisque tout ça se passe sans catastrophe. Alors, est-ce qu'on peut prévoir, donc d'une certaine manière, et si on prend d'ailleurs, j'ai pris un peu vicieusement la France et l'Iran, mais si on prend l'ensemble de la population mondiale telle que prévue par les Nations Unies, ils ne se sont pas trop trompés. Hein. On peut chipoter, mais parce que c'est quand même beaucoup, ils se sont trompés, mettons, de 1 milliard, mais pas plus. Sur 7 milliards, c'est beaucoup, mais sur 7 milliards, c'est quand même dans la zone. Et en plus de ça, comme ils avaient une projection haute et basse, en fait, ils sont rentrés dedans. Mais sinon, prévoir qu'il va se produire, ce que montre d'ailleurs, je suis d'accord, le graphique du Club de Rome, et je suis d'accord que jusqu'ici, il est assez bien suivi. Le graphique du Club de Rome montre qu'il va y avoir une crise très forte dans l'horizon d'une dizaine d'années. Mais là, c'est en dehors de toute prévision possible. On peut l'admettre, disons j'admettrais qualitativement qu'on en parle. Mais je trouve que de le montrer avec des chiffres, là, n'a pas grand sens. Si vous avez, par exemple, montré les prévisions, vous avez cité Alfred Sauvy. Alfred Sauvy, en 1931, a fait la première grande prévision démographique française. Jusque de 31 à 81, il a fait deux hypothèses qui sont d'ailleurs les hypothèses de son époque. Il a supposé que la fécondité restait la même jusqu'en 1981, ou bien qu'elle descendait progressivement au niveau de la fécondité parisienne, qui était beaucoup plus faible. Dans un cas, ça nous donnait en 1981 39 millions d'habitants, dans l'autre cas, 29 millions d'habitants. Il y a eu en 1981 55 millions d'habitants. Donc, c'était un échec d'une certaine manière total. Mais quand on regarde bien, jusqu'en 1939, la population française a exactement évolué à mi-chemin des deux prévisions, la haute et la basse. Il ne s'est pas trompé jusqu'en... Maintenant, est-ce qu'il pouvait prévoir la guerre de 40? Ah. Est-ce qu'il pouvait prévoir la découverte des antibiotiques? Ah. Est-ce qu'il pouvait prévoir le baby-boom? Est-ce qu'il pouvait prévoir l'émigration? Non, là c'est impossible, donc je pense que
on peut, je dirais, de façon qualitative, dire voilà, il y a vraiment des dangers qui se présentent, mais le faire sous forme quantitative, je dirais, ça nuit presque à l'argument, parce que si je reprends le graphique qui a été montré, même avec un enfant de moins, la population, je veux bien vous montrer le calcul, la population ne baissera pas aussi vite que ce qui était montré sur le graphique, ça prendra plus de temps. Si vous faites un enfant de moins, ça veut dire qu'en moyenne, un pays comme la France a 2 enfants, en moyenne, c'est à peu près 1%, ça va faire 0,5% de sa population en moins, année après année, c'est très peu, ça prendra beaucoup de temps avant que... Ben si, il y a 800 000 naissances par an, il y a 650 000, c'est 400 000, vous en notez 400 000, ben, ça prend du temps. Hein, ça prend pas pour la France. Ah ben oui, mais alors comment on fait? Parce que vous avez l'air de ne pas accepter mes petites méthodes d'éducation des femmes au Niger. Non, mais comment on fait au Niger? Moi, si vous me répondez comment vous faites au Niger, là, on peut commencer à voir des solutions. Il y a une série de questions. Je vais repartir du fond, puisqu'il y a encore des questions, et ensuite je reviendrai dans... Il y avait une question là-bas. Ici, non? Il n'y en avait pas une? Non? Juste une observation, Hervé, par rapport à ce que tu disais sur les pays de très haute fécondité en Afrique. On a fait une étude, que je t'enverrai, sur les relations entre la mise en place d'État-providence, donc le système de sécurité sociale pour aller très vite, essentiellement assurance maladie et système de retraite dans les différents pays africains. Et ce qu'on a vu, qui est très clair, c'est que dans ces pays-là, dès qu'on met en place un système de même embryonnaire, bien entendu comparé à notre système de sécurité sociale, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de branche famille, etc. Dès qu'on met en place un noyau d'État-providence, avec surtout évidemment assurance maladie et retraite, eh bien, tu observes depuis 10 ans une baisse de la fécondité que, évidemment, tu connais très bien, mais que je rappelle pour les personnes ici. L'Afrique du Nord, où il y a une chute de la fécondité, et surtout, ça a commencé déjà en Tunisie, qui était le plus avancé dans ce domaine-là. C'est l'Afrique du Sud, qui a un système de sécurité sociale le plus développé de toute l'Afrique, et où la fécondité a diminué, et les pays que tu as évoqués avec une haute fécondité, c'est-à-dire en fait intertropical, exactement, et surtout la bande subtropicale, eh bien là, évidemment, ça ne bouge pas. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien, il n'y a pas un embryon d'État-providence ou de sécurité sociale. Voilà. Donc, ça serait peut-être aussi un moyen de faire diminuer le nombre d'enfants. Pas seulement l'éducation des filles, mais c'est corrélé. Il y aura un mot, oui, là-dessus. Ouais. Okay. Bonjour, excusez-moi d'arriver si tard. Comme dit le monsieur qui est derrière moi, je suis arrivé en retard, donc pourquoi je prends le micro? Je suis arrivé au bon moment, je pense, hein, parce que ce que j'entends m'exaspère un peu. Vous savez, moi, Adam Smith et compagnie, à un moment donné, je pense que pour pouvoir réfléchir, il va falloir fermer les bouquins. Et réfléchir à nombreux parce que des gens ont dit avant, mais réfléchir par soi-même. C'est-à-dire, c'est bien de prendre les notations de certaines personnes qui ont été subventionnées ou je ne sais quoi, mais est-ce que ces personnes vous disent des choses intéressantes pour que votre diplôme, pour que votre thèse soit fondée? Donc si votre thèse, elle est fondée sur les propos de personnes autres que vous, ça peut amener à vous tromper, à vous mettre en erreur. Et donc là, on entend le problème de l'Afrique subsaharienne. Déjà, ça n'existe pas les pays subsahariens, il n'y a que des colonies. Et donc, lorsque l'on parle de colonies, c'est-à-dire des pays qui sont maîtrisés par d'autres personnes, et que l'on réfléchit conforme technique de sécurité sociale ou à savoir si les femmes ont besoin d'être éduquées, il faut savoir que plus tu as un pays pauvre et plus tu as besoin d'enfants pour pouvoir subvenir à tes besoins.
plus tu es un pays riche et plus bon, ben, tu vas au cinéma, tu as autre chose à faire, tu as tes amants et donc tu n'as pas le temps d'avoir des enfants. Et donc la question donnée, c'est pendant combien de temps, vous savez, personne ne naît raciste, ça n'existe pas. On est tous des enfants, on est comme ça. Le racisme, ça s'éduque, c'est-à-dire qu'on devient raciste par éducation. L'éducation, elle est médiatique, elle est professionnelle, elle est scolaire. Et lorsque l'on parle comme vous, on crée des futurs racistes, parce qu'on les éduque à cette pensée-là. Et lorsque on parle, un exemple comme... Très bien. Bon, ma question va être simple. Puisque on ne peut pas réfléchir ensemble, donc on va poser une question. Vu que c'est... Nous sommes les imbéciles pour cette question, les gens qui réfléchissent vont répondre à la question. Voilà. Et donc, messieurs les réfléchisseurs, j'aimerais vous poser une question. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est aussi grande là que la France, qui a 15 millions d'habitants, est-ce qu'il y a un problème de démographie? Deuxièmement, un pays comme le Congo, qui est pillé par tous les pays du monde, souillé par tous les pays du monde, où il y a la guerre pour voler du cacao, du coltan ou tout ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un problème de démographie? On tue tous les jours là-bas. Donc la question donnée, c'est... Lorsque vous réfléchissez de la démographie de façon technique, est-ce que vous réfléchissez sur les faits? C'est-à-dire comment... Voilà. Parce que, au lieu de réfléchir sur les faits, fermez les bouquins que vous lisez là, depuis 40 ans et réfléchissez sur les faits actuels. Merci. Il y avait encore quelques questions ici. Bonjour. D'ailleurs, d'abord, merci pour les interventions. Moi, je suis plutôt pour la vision de M. Cochet, parce que j'ai choisi moi-même de ne pas avoir d'enfants, parce que je trouvais que dans ce monde, c'était justement une chose à ne pas trop faire, parce que je voyais que l'écologie ne changerait pas en 30 ans. Les 30 ans passés, il n'y a pas eu de changement majeur au niveau de la vision de la gestion de la Terre. Et bon, on a de plus en plus de problèmes. Je trouve que votre courbe, là, je ne la connaissais pas, celle qui est de la limite des ressources naturelles. Donc il y a quand même un petit espoir pour la Terre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas assez de possibilités de continuer à polluer de la manière dont on pollue actuellement. Donc ça peut-être être salvatrice pour la Terre, parce que si les gens ne comprennent pas ce que c'est un bilan de carbone ou l'empreinte qu'il demande à la Terre, c'est quand même dommage. Et je suis un peu étonné que dans cette salle, je vois un peu des réactions de personnes qui se heurtent à l'idée que la natalité doit être limitée. C'est une question, oui. Mais la question, c'est... Non, mais c'est intéressant. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y aura une dernière là-bas. Bonjour, merci pour l'intervention. Et moi, j'ai une question par rapport... Vous avez beaucoup parlé de ressources, etc., et aussi de subsistance et de capacité de l'environnement et la nature à se régénérer et qu'en fait on perdait cette capacité au fil du temps. Mais par contre, vous n'avez pas du tout parlé de la consommation d'espace par les activités humaines et l'augmentation. Par exemple, il y a des études qui ont montré que en France, non seulement la population augmente, mais aussi la surface, le nombre de mètres carrés par habitant consommé, artificialisé, augmente aussi par habitant, donc du coup c'est exponentiel et ça n'a pas l'air de s'arrêter, et il y a un moment où les sols sont aussi indispensables à cette régénération de la nature, donc pourquoi ce paramètre n'est pas mentionné, parce qu'il est encore presque plus important que la seule question de la nourriture, vu qu'on n'a pas besoin plus de nourriture pour subsister. Oui, bonsoir. Une question à Monsieur Cochet. Que pourriez-vous ajouter sur, et on aimerait vous entendre là-dessus, sur l'impact des religions? Question courte. Alors, peut-être qu'on laissera le mot de la fin à Hervé Lebras. Donc, on va commencer par Yves Cochet sur les réponses.
Et moi, j'ose pas demander si, lorsqu'on a un enfant en moins, on peut prendre plus de transatlantique, on va dire. C'est la provocation. Alors, là, c'est une réponse, à Hervé Lebras. Il dit, mais c'est difficile quand même de... Et il faut le faire avec prudence, comme j'ai essayé de le faire brièvement, de faire des projections quantitatives dans certains domaines, y compris dans le domaine démographique, où pourtant... Les tendances, enfin, comme le remarque la division des populations de l'ONU, bon, sont des tendances lourdes. Non. C'est parce que je n'ai pas, encore une fois, c'est tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, je n'ai pas une vision continuiste de l'histoire. Il va se passer quelque chose. Je pourrais donner une dizaine de domaines où dans les 5, 10, 15, même peut-être 20 ans si vous voulez, mais enfin disons, à mon avis, avant 15 ans... À la fin des colonies. Eh bien, le monde va changer comme jamais il n'a changé depuis le néolithique. Donc considérablement. Comme, et, on pourrait dire que, alors qu'on a connu des horreurs au XXe siècle, hein, et eu les deux, pas la Troisième Guerre mondiale, mais ça va être très, très dur, très abrupt. Bon, alors, évidemment, c'est facile de prendre cette hypothèse au départ, mais c'est précisément parce qu'il y a eu des études quantitatives que la probabilité... que cet événement, alors c'est pas un événement spectaculaire hollywoodien, un grand spectacle, ça peut être financier, c'est de toute façon déjà écologique, j'ai cité les insectes et les oiseaux, mais quand il n'y aura plus de pollinisateurs, vous allez voir la suite de l'agriculture, quand il n'y aura pas par exemple de phosphore, puisqu'il y a NPK dans l'agriculture, on en a parlé à hein, M. Lebras, parce que le phosphore est en pleine déplétion, il n'y a plus de phosphore organique, il n'y a plus que du phosphore minéral, et où ça? Là où il y a la guerre permanente entre le Maroc, la Mauritanie et le peuple sahraoui. Bon, ça rappelle peut-être des luttes à certains, la juste lutte du peuple sahraoui. Pourquoi? Parce que s'il y a que là, il y a 90% du phosphore mondial, il est là. Et tout le monde a besoin de phosphore. Si vous enlevez le phosphore, vous n'avez plus 80 kg à l'hectare, ça baisse très rapidement. Bon, ben, le phosphore va dépléter, se raréfier. Mais je pourrais parler, bon, je vais parler de l'huile, du gaz, du charbon, je pourrais parler d'autres choses. Mais donc, c'est au contraire des études qualitatives de type géologique. Ce n'est pas l'opinion des gens. Je ne m'intéresse pas beaucoup à l'opinion des gens. Je regarde les études qualitatives, quantitatives et géologiques, qui sont, entre guillemets, les plus, beaucoup de guillemets, objectivistes, objectives. Bon. Et donc, au contraire, le GIEC, par exemple, ne fait que des études quantitatives. Il vient de voir en 2030, en 2050, en 2100, combien on va émettre selon les scénarios. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup, le quantitatif. Non pas que je sois un fanatique du quantitatif, mais si on n'est pas quantitatif, on peut errer gravement, comme disait Georges Bataille il y a 50 ans. Alors, les métaux, c'est pareil. J'ai un copain, Philippe Biwis, qui a écrit un très beau livre sur les métaux. Et sans métaux, y compris des métaux rares, alors vous, même des terres rares, tout ça, vous ne faites pas du tout d'éoliennes, par exemple. Hein, si vous n'avez pas de néodyme, vous ne faites pas des éoliennes artisanales, mais qui comptent pour du beurre. Si vous n'avez pas des électroaimants très forts, là, avec du néodyme. Or, les néodymes, nous, on s'en fout du néodyme, pas du tout. Donc, c'est pourquoi une partie de mes amis écolos se trompent. Bon. Alors, donc, le quantitatif, je suis pour en tirer une philosophie de l'histoire. Et d'une certaine manière, ce qui me paraît le plus probable, au vu de ces études, objectif, comme le... Moi, je me souviens du livre de René Dumont en 1974, quand on faisait la campagne pour René Dumont, et il était marqué dans la page 3 de son livre. À la page 3 de son livre. Alors, encore une fois, il disait le programme commun de la gauche à l'époque, ou le programme de Giscard, c'était marqué à la page 3, le changement du climat qui est fait par les émissions de gaz à effet de serre en 1974. Et à ce moment-là, la gauche comme la droite étaient pliés en deux, et on dit « Les écolos, mais ça n'arrivera jamais !» Est-ce qu'il y a des gens qui rigolent maintenant sur le climat? Mais non, mais c'était il y a 45 ans. Et donc maintenant, je le dis maintenant parce que je vais être plus court, il est trop tard, il n'y a pas de bonne solution. On dit, comment vous faire pour, au Niger qui déplace 7,5 enfants par femme, etc. Il n'y a pas de bonne solution. Je dis, je suis très favorable à l'éducation des petites filles, tout ça. Très très favorable, mais ça va simplement minimiser le nombre de morts. Pas donner une solution. C'est ça. On est en 1938, là. C'est pas les choses rigolotes dont je parle. C'est des choses très graves. J'essaie de m'amuser aussi, comme vous, pour me détendre. Mais en fait, tout ce qui touche à la démographie, c'est vos tripes que ça prend. Avoir un enfant ou pas. C'est les tripes. Vous disiez, mais là, ça fait plaisir. Mais évidemment que ça fait plaisir. Évidemment.
Et donc, les gens deviennent fous quand on parle de démocratie. Pourquoi c'est totalement tabou en France? Un peu moins dans les pays anglo-saxons, un petit peu moins. C'est comme le mot rationnement. En France, c'est totalement tabou. En Angleterre, ils acceptent le rationnement. Il y a d'ailleurs eu une tentative du gouvernement Miliband, où il avait une proposition de rationnement de l'énergie. En France, ah, rationnement, c'est la guerre, alors qu'au contraire, il faut le développement, la compétitivité, la croissance. La croissance, la croissance. Comment psychopathie. Bon, alors je termine. Les religions. Toutes les religions sont natalistes. J'en dirai pas plus. Un peu comme fut la France, d'ailleurs, depuis la République des Jules. Hein, il fallait. On avait perdu en 70, pas en 1870, il fallait redonner une chance à la France de mettre la pâtée aux boches. Et donc, nataliste, nataliste, nataliste. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 1914. La fleur au fusil, etc. Et après, on a inventé les allocations familiales. C'est une politique nataliste. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est très peu d'effet sur la... Oui, je parle d'idéologie, là. Très peu d'effet, en effet, sur les naissances réelles. Je suis bien d'accord. Mais il n'empêche que... D'ailleurs, il y a même encore des ministres de la famille, et on médaille les femmes qui ont 14 enfants. Enfin, c'est quand même stupéfiant, quoi, stupéfiant. Cette espèce d'aberration. Pardon ? On est descendu à 5. Oui, bien sûr. Alors, la Côte d'Ivoire et le Congo. Mais bien entendu, il n'y a pas de problème démographique. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de problème démographique en Côte d'Ivoire ou au Congo. Le problème démographique, il est en Europe, dans les pays riches, 1,5 milliard d'habitants. C'est pas en Afrique, même subsaharienne, où vous voulez. C'est ce que j'ai entendu. Ah non, pas de ma part. Enfin, l'artificialisation des sols, on n'en parle pas, mais bien sûr que si. C'est catastrophique aussi, ça fait partie de la dixième des limites de la planète, comme dit notre ami Rob Strom du Stockholm Resilience Institute. Allez voir son site, là aussi c'est que du quantitatif, et il regarde les limites qu'on a dépassées déjà, un peu comme l'overshoot, là. Bon. Et encore une fois, vous voyez que tout ça, c'est particulièrement chiant à lire, c'est un petit peu comme les rapports du GIEC, c'est pas drôle du tout, mais c'est la réalité, c'est pas des pseudos. Je connais très bien Alfred Whitehead parce que tu es un très grand mathématicien, un très grand philosophe. Hein, il a écrit des trucs avec Bertrand Russell. D'ailleurs, ça c'est du lourd, hein, c'est pas de la petite pensée des philosophes médiatiques qu'on a ici. Mais c'est pas du tout un pseudo-concept, hein, la géologie. C'est d'ailleurs la géologie. J'ai dit ça l'autre jour à Besancenot. Ce qui va mettre la fin au capitalisme, qu'est-ce qui va tuer le capitalisme? C'est pas la lutte des classes, c'est la géologie. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est-à-dire, personne ne pense à ça. Et c'est d'ailleurs ça, du fait que personne n'y pense, et que personne n'ait fait les gestes pour essayer de résoudre le problème, que la catastrophe va arriver. De manière la plus probable. Il y a d'autres scénarios, mais qui sont moins probables. Merci. Juste quand même un petit mot sur qualitatif, quantitatif. Oui. Moi aussi, je fais du qualitatif quand je montre les consommations, les différents types de consommation en calories. En fait, ma critique ne portait que sur la courbe démographique qui a été montrée, qui est là, me paraît parachutée, c'est tout. Et je pense que justement, parce que j'avais tenté de montrer sur l'incertitude des projections est plus importante. Et c'est là. Ma critique ne porte que sur cette courbe, mais pas, bien sûr pas sur les études. Je suis scientifique d'origine, je ne vais pas aller dire que le quantitatif ne sert à rien. Bon. Sur le welfare, oui, non, c'est très intéressant, je ne savais pas, mais c'est une très bonne idée. Ceci dit, il faut peut-être pondérer, parce que j'ai effectivement bien montré que le problème était entre les deux tropiques. Il faut aussi voir que entre les deux tropiques, le revenu moyen, c'est 1 000 dollars par habitant, et que dans le Maghreb et en Afrique du Sud, c'est entre 5 et 7 000 dollars. Donc, des choses qui sont possibles dans le Maghreb et en Afrique du Sud sont plus difficiles. Mettre un système de retraite au Niger, ça me paraît pour l'instant assez compliqué. Mais donc, mais c'est l'idée. C'est un facteur de croissance. Oui. Mettre en place un système de sécurité sociale, c'est un facteur de croissance économique. Oui, c'est un facteur de croissance économique, possible, mais... Parce que tu entretiens le travail. C'est plus difficile, non, je suis d'accord avec le point, mais ça m'apparaît plus difficile, ça m'apparaît, disons que si la comparaison est simplement entre ce qui s'est produit entre le nord et le sud de l'Afrique d'un côté, le centre de l'Afrique de l'autre, il me semble qu'il faut aussi prendre en compte les niveaux de revenus, c'est ma seule remarque, hein,
sur Adam Smith. Mais je ne sais pas, je vous tirer Adam Smith, vous auriez mieux fait d'arriver à temps à la conférence, parce que moi j'ai absolument pas cité Adam Smith, d'ailleurs j'ai cité pratiquement, non mais laissez-moi parler, je vous ai écouté, j'ai cité d'ailleurs absolument personne, j'ai donné des faits, vous demandez des faits, j'en ai donné. Quant à brûler les livres, je vous mets en garde parce qu'il semble que le mot Boko Haram, ça signifie brûler les livres, le mouvement qui est au nord de Nigeria, Boko venant de Boux, donc je ne suis pas du tout pour... brûler les livres. Pour, pour la question de... Il y avait une autre question à ce sujet-là, mais j'arrive mal à... Ah oui, sur la Côte d'Ivoire. Là aussi, si vous aviez été là, j'ai bien expliqué que le problème était beaucoup plus, si on regarde la démographie, le problème était du côté du Sahel, pour cette petite bande-là, mais qu'il ne se posait pas dans le reste de la... Et j'ai pris justement l'exemple de la République démocratique du Congo, en disant, on ne peut pas dire qu'il y a un problème démographique, là. Donc, je suis content que vous soyez du même avis que moi sur ce point-là. Là, j'étais exactement, j'avais dit ce que vous avez dit, donc vous devriez être content. Comment limiter la natalité? Ben oui, c'est un vrai problème. Mais c'est vrai qu'en France, le climat, Yves Cochet l'a évoqué, il y a un climat nataliste qui dure depuis... Enfin, qui a commencé dans les années 1870. Il y avait, il faut se souvenir que dans les années sous le Second Empire, il y avait au contraire des prix de tempérance. On donnait des prix aux ouvrières qui avaient fait peu d'enfants. Et puis après la défaite de 1870, puis il y a un certain nombre de faits qui se sont liés à cela. Effectivement, la France est devenue ultra nataliste et le reste encore, vous allez voir, depuis 3 ans la fécondité baisse en France. Vous allez voir réapparaître les natalistes. Ils avaient disparu avec 2 enfants par femme. Ils étaient à peu près contents, mais ils vont revenir, ils vont revenir en force. Et alors, la question, c'est que beaucoup de pays... Mais non, écoutez, laissez-moi parler. J'ai répondu en plus de ça à plusieurs points que vous avez soulignés, donc vous devriez être content. Est-ce que la fin des colonies va arrêter le problème des pays africains qui viennent en Europe? Mais non, soyez un peu démocratique, là, respectez. Est-ce que la fin des colonies va arrêter le problème? On demande la sécurité. Alors. Donc on en était à la limite. Beaucoup d'autres pays autour de nous, les Anglais par exemple, ont toujours estimé qu'ils étaient trop nombreux. Et encore maintenant, et d'ailleurs les pays anglo-saxons ont pratiqué le zéro population growth depuis, au moins l'ont demandé depuis assez longtemps. Sur la consommation d'espace, là je suis, oui c'est un point qui est important, mais qui est problématique. Là, quand on regarde, alors non pas au niveau français, mais au niveau mondial, la surface cultivée reste constante, donc on se dit bah, ça va à peu près, mais non, quand on regarde dans le détail, il y a la partie qui est artificialisée, croît rapidement et au détriment des forêts. Donc si la surface cultivée reste constante, c'est parce que c'est au détriment des forêts, donc là il y a un véritable, un très gros problème aussi qui va s'amplifier avec la manière dont l'étalement urbain se produit dans les grandes mégapoles du monde. Là, vous avez tout à fait raison, c'est un problème supplémentaire. Un grand merci à nos deux intervenants.